Et du coup, là, Fête du Sport, quatrième édition. C'est vrai que c'est un événement qui a été initié par Mamadou Dramé, élu adjoint au sport. Donc, nous, c'est un événement qui nous tient à cœur et auquel on a tout de suite accroché. Parce que c'était important, effectivement, de pouvoir célébrer le sport à Fresnes. C'est un événement qui représente bien Fresnes, en fait. Hein. Une ville où le tissu associatif est vraiment divers et important. Voilà, on a la chance aussi de pouvoir compter sur les associations sportives frénoises. Ça, c'est une chance parce qu'on en a beaucoup à Fresnes et donc c'est important qu'elles soient là pour nous aider. Et puis ça leur permet aussi de faire découvrir leur activité, leur sport. Et au bout de la rentrée de septembre, c'est toujours intéressant pour elles. Fresnes Biathlon, c'est un club frénois très convivial. Très convivial, c'est un club de copains. Je suis président de l'association Les Archers Frénois. C'est un club de tir à l'arc qui est présent sur Fresnes depuis 30 ans. Alors bonjour, moi je suis Andy, je suis entraîneur bénévole à l'Amicale des Boxes Olympiques de Fresnes. Donc on est un petit club familial. Une section de la SFM, la section Relais. Donc on participe, on est membre de la Fédération Française de Volleyball. Bonjour, moi je m'appelle Anaïde Margotian, je suis coach sportive à l'association Level Dance Fresnes. De l'échange et du partage. Bah, c'est la vie. L'abnégation et le surpassement de soi. De savoir en fait maîtriser son corps et de pouvoir s'en servir. La santé, la convivialité. Ah, franchement, super événement, on a passé une magnifique journée. Il y a du monde qui est venu, il y avait vraiment du choix au niveau des animations, des activités. On a pu découvrir plein de sports différents. Pas mal de sports qu'on n'a pas l'habitude de pouvoir faire comme ça dans notre quotidien. Par exemple, je vais prendre l'exemple de l'escrime. C'est pas tout le monde qui a l'occasion de pouvoir faire de l'escrime, découvrir ça. Donc voilà, il y a eu un parcours. Enfin, il y a vraiment, vraiment des sports super intéressants. J'ai vu que des sourires aujourd'hui. J'ai vu que des gens passer un super bon moment. Donc je remercie la ville de mettre cet événement en place. Il est important, il est au début de l'été où il y en a pas mal qui sont partis en vacances, mais il y en a pas mal qui restent là, qui ne partent pas forcément en vacances. Donc